Aujourd'hui, je suis avec la super sourcilista de choc, Carole Ambrose. Elle va vous faire un petit tutoriel pour apprendre à maquiller tous les jours vos sourcils comme elle me l'a appris à moi. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. Alors là, sur Katia, je vais appliquer la poudre Beyond Dollar Brose avec le pinceau. Donc, je prends la matière, légèrement, pas trop. J'enlève l'excédent en tapotant. Et je commence sur son sourcil par la base. Donc on appelle ça le poil directeur, le premier, jusqu'au point de hauteur. En dessous, une ligne droite, en appuyant à peine. Le principal, c'est pas appuyer et d'avoir une pression la plus légère possible. Voilà. Sur le cas de Katia, je reprends un petit peu de matière juste pour remplir la cicatrice. Voilà, comme ça, ça fait une bonne harmonie en termes de couleur. Après, je reprends de la matière, je réitère en tapotant, et sur le point de hauteur, je redescends, mais par les poils du dessus du sourcil, pour agrandir. Parce que si vous reprenez en dessous, ça va tasser et redescendre. J'ai pris un petit peu de matière juste pour la cicatrice également, que le tassant de point de hauteur. Et voilà. Donc pour le sourcil, on refait la même chose de l'autre côté. On reprend le poil directeur, on fait un trait tout droit, comme si vous aviez une règle en fait. Point A, point B, on relie. Le plus léger possible. Et ensuite, avec le reste de produit qui nous reste sur le pinceau, on remonte l'excédent de matière et on brosse. Je reprends un peu de matière, point de hauteur, et on redescend par les poils du dessus. On estompe avec le goupillon qui est dans le pinceau. Donc là, je vais appliquer le gel taupe de chez Beyond Dollar Brose, si vous voulez, pour une soirée accentuée ou créer un effet sauvage, quoi, vous amuser avec vos sourcils. Donc pour Katia, la teinte taupe lui va très bien. Et en fait, je mets un tout petit peu de matière et je coiffe les sourcils vers le haut, ce qui donne un effet moins coiffé, coiffé décoiffé. Et du coup, plus de volume. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais appliquer le pinceau correcteur. Donc vous avez la partie concealer de ce côté-là, et la partie enlumineur pour le point de hauteur du sourcil. Je l'applique avec le pinceau aussi de chez BDB. L'avantage de celui-ci, après vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau, mais l'avantage, c'est qu'il est très droit. Donc vous pouvez maquiller de manière plus structurée. Donc c'est parti. Tu mets directement sur le contour du sourcil. Moi, ce que je conseille en astuce, c'est de le mettre le correcteur aussi sur la partie basse en dessous. Pas le blanc sur l'ensemble, ça fera plus naturel. Donc, je le travaille avec le pinceau. En dessous. Et ensuite, j'applique la touche lumière. Vous pouvez prendre aussi les touches éclat, les enlumineurs, juste pour mettre en dessous de l'arcade, en dessous du point de hauteur, pour agrandir. Et voilà. On espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et vous voyez, c'est vraiment simple, donc en 2 secondes le matin, c'est fait. Donc voilà, vous êtes des sourcilistas, maintenant vous jouez. Bye bye!